1-2-1-2. Je peux continuer de raconter des histoires, là, genre la Raspberry Pi qu'il y a là. Getting started. For information on how to download the latest operating system and view the Getting Started site, please visit designspark.com. Supplied under license by RS Component LTD, Allied Electronics Inc., irsonline.com/raspberry. Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation. Si peu. Allô, 1-2-1-2. Ceci est un test, ouais. J'ai juste changé mon primary display. Là. Ouais, tout est beau. Hein? Oui, oui, marche. Cool. Mm. Bonjour tout le monde. Désolé du petit délai, on a du setup et très le fun. On enregistre et on fait du live. Dans les nouvelles, les inscriptions devraient commencer début juin. Le call for paper d'ici à peu près 2-3 semaines. Et notre podcast va revenir en ligne sous peu. Un serveur qui a explosé. Donc, ce soir, on parle de SDR avec Maxime. Fait que je te laisse introduire. Bonjour tout le monde. Dans le fond, ma presse aujourd'hui s'appelle SDR Medley, dans le sens que ça va être une presse un peu déconstruite, si on veut. La structure est assez lousse. Puis c'est vraiment niveau introduction. Là. J'ai pas vraiment d'expertise là-dedans, sauf depuis le Hackfest de cette année. Donc, c'est vraiment pour vous montrer en quelque sorte que ça coûte pas cher, que c'est vraiment accessible même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas comme moi. Puis, ça dure à peu près, j'ai 32 slides, 3 démos, fait que d'après moi, en 45 minutes, on devrait être all good. Si ça, ça marche. Ce sera pas long. OK, c'est bon. All good. Donc, le plan, comme je vous dis, ce ne sera pas nécessairement dans cet ordre-là, mais évidemment, je vais commencer par une petite introduction, un petit peu de hardware, le peu que j'ai pu toucher, c'est-à-dire les SDR bien classiques, puis j'ai d'autres hardware qui s'en vient par la poste, il n'est pas arrivé à temps comme je pensais, mais c'est pas grave. Il y a une couple de software puis de protocoles avec lesquels j'ai pu jouer, puis qui sont quand même le fun à apprendre, même si vous ne le maîtrisez pas, juste savoir qu'on peut écouter des protocoles qui n'ont pas été pensés pour que n'importe qui puisse syntoniser cette fréquence-là, c'est quand même toujours agréable. Une couple d'expériments que vous pouvez faire chez vous à partir du moment où vous achetez un petit dongle à 20$. Puis, comme je vous disais, avoir 2-3 démos juste pour vous montrer un peu les softwares de base que j'utilise la fin de semaine. Puis, Future Work, ça c'est comme une couple d'expériences que j'ai pas fini. Fait que c'est laissé à vous de m'expliquer comment ça marche pour de vrai. qui je suis, c'est la même slide que la dernière fois, fait que je suis encore la même personne. j'ai fait mon bac à UCHA. Moi c'est Maxime Leblanc. Mon alias c'est Max White d'habitude sur le Slack et toutes les autres plateformes. Là. J'ai fait mon bac à UCHA Sherbrooke, une maîtrise en sécurité informatique à U Laval, un MBA aussi à U Laval, puis en Turquie à la Koch University. Maintenant, je travaille pour Poka Inc. Puis, je suis un InfoSec Convention Enthusiast Registered Trademark. Puis, dans ce scope-là, c'est moi qui ai fait l'attaque SSRF du Hackfest de l'année passée. Donc, si vous allez participer aux Games, ben, c'était l'attaque où est-ce qu'il fallait récupérer des credentials AWS en passant par le testeur de Webhook. Là. Donc, comment mon intérêt pour les SDR a commencé? Je ne sais pas si vous vous souvenez, au dernier Hackfest, il y avait le Soldiering Village. dans le fond, ils avaient une commandite de Noelec. Donc, ils avaient des SDR à faire gagner. Puis, pour le reste, je ne l'ai
J'ai pas vraiment gagné, j'étais juste là au bon moment, au bon endroit au bon moment. Là. Fait que j'ai fini par. Martin était assez gentil pour m'en donner une. Puis c'était quand même le début d'un intérêt de quelque chose que j'avais absolument aucune idée que, à quel point c'était hot, finalement. Puis, checkez bien la prochaine slide. J'ai des insider information pour le prochain NerdSec, si jamais vous allez au NerdSec. On n'a pas voulu me donner de plus grosse picture, mais Martin, en ce moment, il va revenir au NerdSec, puis il est en train de travailler sur des badges. Puis peut-être que vous reconnaissez cette forme-là. Fait qu'on ne peut pas en dire plus. Puis il va aussi avoir un InfoSec Badge Museum. Fait que si jamais vous avez des badges de conférences qui sont peu communes, bien, vous pouvez les amener. Puis lui, il va tout arranger ça justement avec des conférences d'InfoSec de partout dans le monde, de toutes les époques. Bien, toutes les époques récentes, évidemment. Donc, ce style de SDR-là, ça commençait à être popularisé par un TV tuner qui se vendait pas cher, dans le fond, juste pour écouter la TV sur ton ordi, comme vous avez sûrement fait fin des années 90. Puis, il y a trois chercheurs qui se sont rendus compte que en modifiant le driver, on pouvait accéder à beaucoup plus de range que ce pour quoi il était fait puis ce pour quoi il était vendu, dans le fond. Fait qu'à la base, c'était juste un FM tuner avec ce qu'il fallait pour pouvoir écouter votre TV puis votre câble de Vidéotron. Ça venait avec une belle petite télécommande. Puis, ça, les trois chercheurs qui ont quand même popularisé la technique, entre guillemets, il s'appelle Antti Paulosaari, je suis désolé s'il ne m'entend sûrement pas, Eric Fry, puis Steve McGaff, qui travaille, ça c'est dans le contexte de Osmocom, qui est une initiative open source de justement recherche sur le hardware qui a rapport aux radiofréquences. Puis, ce dongle-là, en fait, il était basé sur le RTL-2832. C'est souvent encore ce chipset-là qui est utilisé pour acheter les petits dongles pas chers. Équipé avec des drivers spéciaux, il y a moyen de le transformer en vraiment un wide range radio tuner. Dans mon cas, il est de 75 MHz à 1300 MHz, il me semble. Puis il y a des hobbyistes qui ont commencé à prendre le relais et faire toutes sortes de software. Pour écouter des avions, pour écouter des communications par pager, des trams FM. Mettons, l'autre fois, on pognait les déneigeurs qui étaient en train de déneiger, qui se disaient dans quelle rue il y avait encore de la neige. Que c'est un peu le poor man amateur radio, là, dans le sens que ça n'a pas besoin d'équipement spécialisé, comme justement, tu as sûrement toi. Puis, ouais, c'est ça. Pas besoin de skills particulières. Un petit peu de Linux, ça devrait suffire pour vous débrouiller à pouvoir get around la plupart des softwares qui sont en ce moment dans l'écosystème. Puis ça, évidemment, ça n'a pas été, genre, comme je disais, ça n'a pas été inventé avec ce petit dongle-là, mais c'est la facilité d'utilisation qui l'a vraiment rendu populaire. Puis juste pour avoir une petite mini-base sur la modulation, parce que ça va être relativement important pour les softwares qui utilisent le SDR. Dans le fond, il y a différents types de modulation. Vous connaissez souvent AM puis FM, c'est-à-dire modulation par amplitude. Si on veut représenter une onde sur une autre fréquence, en fond, on peut faire alterner l'amplitude de la fréquence qu'on surveille, le carrier, puis ça va nous représenter l'onde d'une autre fréquence. Puis la même chose applicable pour, là on peut faire varier l'amplitude, on peut faire varier la fréquence, puis c'est le même principe pour si on veut représenter du binaire, dans le fond, là on voit qu'il est utilisé FM modulation, ça, on appelle ça le key phase. Fait qu'à chaque fois que le signal est supposé être à 1, il est à une certaine fréquence. Quand il est à 0, il est à une autre fréquence. On recommence 2-1, une fréquence plus rapide, 1-0, 1-1. Mais pour vrai, vous n'avez pas
besoin d'avoir un deep knowledge là-dedans. Moi, j'en ai pas du tout, comme vous pouvez vous l'imaginer. Puis là, je vais vous présenter, dans le fond, ce que je vous dis que j'ai récupéré au Hackfest. C'est le petit Noelec. C'est un, dans le fond, sur Internet, ce que vous pouvez chercher, c'est RTL SDR, puis tous les drivers sont intercompatibles parce que c'est tout basé sur la même chip. C'est vraiment le popular guy dans le monde du SDR. Il y a les Linux drivers pour à peu près tous les devices, les Raspberry Pi, les Linux, Windows, OS X, il me semble aussi, j'ai pas vraiment testé. C'est RX only, puis il pogne de 30 MHz à 1600, ce qui est quand même assez pour pogner tout ce qui est FM, GSM, tout ce qui est les pagers, comme je disais, les satellites aussi, ils envoient des images via cette range de fréquences-là. Donc, c'est vraiment assez versatile pour le prix. Puis sinon, ça, il y a d'autres types de dongles qui sont à peu près 300 $ US, plus ou moins 100 $, on va dire, qui sont higher end, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans même pas les mégahertz, mais les kilohertz, I guess, puis ici, jusqu'à 6000 MHz que j'ai vu. Donc, 100 kHz jusqu'à 3,8 GHz, le Lime SDR. Le AKRF, ça, j'en ai commandé un, puis il est encore normal. Fait qu'il est rendu quelque part en Californie. De 1 MHz à 6 GHz. Fait que ça, je pense que ça va être plus pour les expériences LTE. Il me semble que j'étais pas mal dans le upper range de mon SDR. Puis, on a les SDR Play, AirSpy, Blade RF, comme Patrick y a. Dans le cas de SDR Play puis AirSpy, j'ai cru comprendre que c'était, ils sont plus cheap, là, ils sont comme 150 $. Ils sont plus précis aussi, ça, vous pouvez avoir une meilleure qualité de réception, mais ils couvrent un range vraiment précis pour une utilisation en particulier. Là. Donc, pour faire un peu plus de la recherche puis du reverse engineering, on cherche à avoir un meilleur range de fréquences possibles. Les softwares utilisés. Le software que j'utilise tout le temps, qui à chaque fois que au fond, je plug mon SDR, c'est avec ça que je peux explorer un peu les fréquences qu'il y a autour, c'est GQRX. Il fait pas mal tout à votre place. C'est relativement plug and play. Vous pouvez choisir votre fréquence, la modulation ici qu'il sort du son. On peut streamer sur le réseau. Ce que lui entend, c'est-à-dire toutes le raw data, si on veut. On peut streamer en UDP. On peut enregistrer pour plus tard. Donc, il va vous faire un fichier WAV qui représente ce que lui a vu pendant qu'il écoutait. Puis, ça, c'est le go-to software de SDR Linux. Une affaire qui est populaire, je vais vous le montrer tout de suite, dans le fond, là, c'est le Waterfall View. Puis là, ça garde une espèce d'historique sur qu'est-ce qui s'est passé. Un historique pas long, mais si à un moment donné, vous voyez qu'il y a un petit signal qui fait juste un petit pop, pop, pop de temps en temps, ça va aider à le localiser, si on veut. Là. Parce que si on avait uniquement la vue en 2D, bien là, c'est sûr qu'on peut manquer des choses. Comme je disais, la plupart des modulation modes sont available, puis il peut streamer directement sur les UDP. Fait que je vais faire juste une petite démonstration. Là, avec mes pauvres speakers d'ordinateur, on n'entendra pas beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer, on n'a pas besoin du son, en fait. Là. Donc, ça va aller mieux si je branche la SDR. Comme là, je suis en train d'écouter un poste de radio qui est un poste de radio anglophone 104.69. Puis je sais pas si on peut l'entendre, mais là j'ai accroché mon dongle.
vais essayer de ne pas trop y retoucher. Du speaker? Je vais regarder si je peux pas booster le son avec le gain ici. Puis si on veut aller explorer d'autres postes. Là, je suis rendu dans le 80. Ah, on voit qu'il y a un autre poste là. Je vais essayer d'aller pogner. Fait que, dans le fond, ça, le waterfall, ça garde un peu l'historique de ce qui s'est passé. Puis le gain, si jamais vous avez un tiers vraiment faible, vous pouvez l'amplifier avec ces petites options-là. Je pourrais le streamer en UDP vers quelque chose qui l'écoute, comme on va faire tantôt pour écouter des pagers. On va avoir besoin d'écouter sur le réseau, puis les recorder pour plus tard. Mettons qu'on veut s'amuser un peu. Je vais le ramener ici. Donc, ça, c'est sûr que c'était assez basic comme exemple, mais c'était justement le but. Where's my mouse? It's there. OK. Une autre application qui est bien intéressante, c'est Dump 1090, qui écoute le ADS-B. Fait que dans le fond, les avions, ils ont tout un transpondeur qui, en permanence, dit leur altitude, leur vitesse, leur numéro de vol, tout ça. Puis, avec un SDR, il y a moyen d'écouter sur cette fréquence-là. C'est heureusement read-only, mais on a vu du monde qui peuvent aussi émettre. Fait que ça peut être un peu dangereux si vous faites ça. Faites pas ça. Puis, ça vient avec un petit serveur web comme ça. Là, ça part une config. Je pense que c'est Light HTTPD. Puis... vous pouvez visualiser les avions sur la carte vu qu'ils vous donnent déjà leur vitesse et leur position. Je vais essayer de faire une petite démo tantôt, mais vu que ce logiciel-là en particulier, il faut être chanceux dans le sens qu'il faut qu'il y ait un avion qui passe au-dessus de nous au moment où est-ce qu'on écoute. Je vais juste regarder à la fin. Si vous avez des questions, je vais le laisser rouler en même temps, puis on va voir s'il y a des avions qui se sont pointés. C'est ça, c'est une des premières affaires que le monde essaye quand il se procure un dongle, parce que c'est quand même cool de pouvoir écouter les avions. Puis sur Kali, le package s'appelle Dump 1090 Mutability. Lui, il est déjà tout préconfiguré parce qu'il y a d'autres versions que vous trouvez sur GitHub. Il y a plein de monde qui l'ont forké pour... c'est assez populaire, le plane spotting qu'il appelle. Il y a plein de monde qui sont installés des petits devices qui écoutent là-dessus, qui se sont forkés leur propre version pour leur propre device. Mais ça pourrait être plus standard. Je vous conseille de juste rester avec celui qui est dans les repositories de Kali, puis apt-get install dump 1090. Puis, sur GitHub, parce que ça, c'est un fork en tant que tel. Puis l'original, il est aussi sur GitHub. Il doit ajouter de la précision, entre autres. Là. C'est ça que j'ai vu, puis... des capacités pour rouler sur quelque chose qui n'est pas aussi puissant qu'un ordinateur. Parce que je... OK, ouais, c'est ça. Ah, OK. Fait que celle-là est plus vraiment maintenue, mais au moins elle marche encore. Écoutez du Bugsag Flex, c'est-à-dire les pagers. Croyez-le ou non, c'est encore utilisé à ce jour. Pour les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, par exemple, ils reçoivent
des calls sur tel patient, telle adresse. Ben, pas les médecins, mais les ambulanciers, j'imagine, là, qui utilisent ça. Sinon, on voit beaucoup de passer des systèmes d'alarme, comme porte numéro 2, alarme de mouvement, genre, ou des trucs comme ça. Puis j'ai vu aussi du IT on call, c'est-à-dire il y avait un airplane supplier qui lui envoie des erreurs SQL sur du POCSAG. Puis souvent, on voit que c'est formaté pour ensuite, soit que ça a été reçu ou forwardé vers un email, parce que tu vois les headers de email dans le protocole. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant à écouter. Puis, justement, c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Dans le fond, pour faire cette expérience-là, on va partir GQRX, comme d'habitude, comme toujours. On va streamer sur du UDP. Puis, le décodeur de POCSAG, lui, va écouter sur le UDP. Puis, il faut le mettre en modulation Narrow FM pour que ça marche bien, pour que la commande fonctionne. Puis, une chose à savoir, c'est que contrairement à la plupart des tutoriels qu'il y a sur Internet, dans le coin, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être POCSAG, ça a l'air d'être Flex, le bon protocole à écouter. Probablement que tu en saurais plus, vu que tu m'as parlé de Flex tantôt. Là. C'est peut-être pas le même Flex. Flex, c'est pas dans le sens du protocole, mais plus dans le sens de la technologie de radio. OK. En termes de radio, il y a une ligne de radio qu'on appelle des radios Flex. OK. Qui est comme orienté pour tout ce qui est acheté, donc de 0 point quelque chose à 30 MHz. OK, OK. Ouais. Donc, on va repartir GQRX. Je sais pas si j'ai un autre. Bon, en tout cas. Quelle fréquence que j'avais dit? 929. Quand on cherche des fréquences comme ça, c'est bizarre à dire parce qu'on a tout le visuel qu'il faut, mais c'est quand même le fun d'avoir le son parce que je sais pas comment l'expliquer, mais on peut aller quand même au feeling, entre guillemets. Là. Comme là, on entend clairement juste du bruit, mais si je me déplace un petit peu, on voit que il y a quelque chose qui essaye d'émettre. 128. Ah merde, c'est vrai. Sorry. Ouais. Donc là, le but du jeu, c'est de trouver la fréquence. Ah, ici. Donc là, je vais me mettre en. Eh, hey, boy. Je vais l'arranger sur mon écran parce que. Quand on pogne, tu peux entendre le son qui a changé, c'est plus juste du grichage. Puis là, si je vous montre ici là, ce que ça fait, on peut voir quand on a un bon signal, là, comme. Une des affaires qui est le fun avec le waterfall, justement, c'est qu'on voit qu'il y avait une autre fréquence ici qui émettait, puis on l'aurait peut-être manqué si jamais on avait juste eu le focus sur ce qu'on est en train d'écouter. Je pense pas, mais tu peux recevoir sur un wide range. Puis peut-être qu'à partir de là, tu peux comme les isoler. Là. C'est ce que je vais te montrer maintenant. Ah, ouais. Là, il va falloir que je parte le UDP. Là,
convoque pendant que c'est du bruit. Du HF, là, ça permet de passer le travail de plus de matière. On peut voir si on voit quelque chose d'intéressant passer. Il y a quelqu'un qui a des bugs à la room 63. Je peux peut-être... Ouais, zoomer. Ça, c'est le genre de choses que je peux regarder bien longtemps. Là. Puis. Ouais, ça. Fait que ça, c'est probablement l'hôpital McGill. Je sais pas. Ouais, les numéros, ça, c'est la destination de ce que j'ai compris. Il commence par envoyer. Parce que, en fond, le pager, lui, j'ai l'impression qu'il reçoit tout, puis il choisit les messages qu'il affiche selon le numéro. Tu pourrais spoofer et envoyer des messages à tout le monde. Oui, oui. D'ailleurs, je vais vous montrer comment avec la Raspberry Pi. Là. Revenons à nos moutons. Une autre affaire qui est intéressante, que à date, je n'ai pas réussi à faire, mais ça sent bien, je travaille là-dessus, c'est les satellites météo, en tout temps, ils projettent les images qu'eux, ils captent. Fait que ça, c'est super intéressant de pouvoir juste avoir un Raspberry Pi qui écoute en permanence, puis pouvoir capter, quand il y a un satellite qui passe au-dessus, lui, il capte son SSTV, puis il peut... Justement, tu peux te faire une collection d'images de différents satellites. Puis juste le fait de pouvoir communiquer, même si c'est juste downstream, avec des satellites, je trouve ça quand même insane. Ouais, ça, le logiciel à utiliser pour ça, c'est QSS-TV. Je vais vous le montrer tantôt, si vous voulez. À date, je n'ai pas eu de succès extraordinaire, mais j'ai quand même quelque chose qui n'est pas complètement random. Puis un autre logiciel qu'on utilise justement pour pouvoir tracker les satellites pour les surveiller pour la prochaine image qu'on va vouloir, c'est G-Predict. Puis, comme son nom il dit, ça prédit la prochaine fois qu'il y a un satellite qui va passer au-dessus de toi. Puis, tu peux choisir tes satellites d'intérêt. Moi, j'ai les NOAA, c'est-à-dire les satellites météo, comme je vous parlais. Le ISS, c'est la International Space Station. Elle, en plus, elle émet du FM vers la Terre quand il jase. Là. Fait que si vous êtes chanceux, vous pouvez... Des fois, souvent, ils jasent avec des écoles. Fait que vous pouvez les entendre parler puis interagir avec la Terre, littéralement. Les satellites météores, c'est un autre type de satellite météo. Puis ce qui est le fun aussi avec ce logiciel-là, c'est que quand on choisit un satellite dans ses propriétés, il nous dit les fréquences sur lesquelles il émet. Fait qu'on n'a pas besoin de chercher sur toute la range puis de juste être chanceux. Ben ça, je vais peut-être vous le montrer. Il est quand même le fun. Ouais, à date, c'est toujours avec le même dongle. Ça, c'est même pas besoin de dongle, c'est juste ça se fie de l'Internet. Update from network. OK. Fait que là, on voit qu'il n'y a personne d'intéressant au-dessus de nous en ce moment. ISS est rendu dans le Pacifique, donc il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Mais, par exemple, si je peux la sélectionner. Puis, show an espace,
satellite info. Ouais. Mettons qu'on va dans satellite info. Puis dans transponder, c'est là qu'il y a l'information intéressante. Fait que ça, c'est toutes les fréquences à écouter si jamais vous voulez surveiller la International Space Station. Ça vous dit le mode de modulation aussi, le protocole utilisé. Ouais. Des fois, il y a deux links à écouter, justement, comme tu disais. Il y a uplink puis down. Ça peut être pour avoir les deux côtés de la conversation. Ça peut être le fun d'écouter les deux en même temps. Un autre software intéressant, que, encore là, j'ai des résultats qui ne sont pas complètement random, mais pas assez prévisibles pour vous le montrer en démo, là. C'est GRGSM. C'est un interpréteur de GSM, comme son nom le dit. Puis ça peut être utilisé pour faire un do-it-yourself IMSI catcher. Dans le fond, un IMSI catcher, ce que ça fait, c'est qu'on peut savoir, on peut identifier un cellulaire, puis sa position. Savoir s'il est autour de nous, dans le fond, à distance, en écoutant sur quel tour il se connecte. Puis, encore là, j'ai de la recherche à faire pour en comprendre le protocole en tant que tel. Mais la fois que je l'ai utilisé, ça a l'air de fonctionner assez bien. Des fois, il y a une couple de faux positifs. C'est peut-être de faux positifs dans le sens, c'est sûr qu'il n'y a pas des tours chinoises, puis c'est ça qui m'indiquait. Là. Puis c'était genre au chalet à la Macasa, fait que ce ne sera pas. Il n'y a pas de Chinois dans ce coin-là. À moins que, ouais, il y a un aéroport, peut-être qu'il y a des spies dans le coin, mais ça peut faire, dans le fond, c'est comme un all-in-one package, là. Il y a les exécutables, d'un exécutable par purpose, qui est le frequency scanner, juste pour voir s'il y a une tour sur cette fréquence-là, une cellule. C'est dans les 900 kek, ouais. Fait que c'est vraiment au milieu du range de la RTL-SDR. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Puis, une affaire que je trouve quand même vraiment cool, c'est compatible avec Wireshark. Puis, lui aussi, il stream du UDP sur 127.0.0.1. Puis, le filtre Wireshark à utiliser, ça vient avec, là, rien à installer. C'est GSM Tap. Puis, ça, c'est... Ben, vous irez voir, je vais sûrement mettre les slides... Sur le site du Québec Sec. Mais vous irez voir ce site-là. C'est un gars qui a réussi à décoder des messages texte GSM. Dans le fond, il y a toutes les informations qu'il faut, sauf la clé. Puis il a trouvé quelqu'un qui s'est fait une genre de Rainbow Table de 2 Tera. Puis il a finalement réussi à décrypter pendant sa propre clé. Puis, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est justement la facilité avec laquelle. Tu peux juste aller dans Wireshark. Là. Ça, je l'ai fait avec la version pas décryptée des messages, là, mais juste la version IMSI Catcher. Puis tu vois les identifiants de cellulaires se connecter à des tours, là, qui est quand même très cool. Un autre software avec lequel j'ai commencé à expérimenter, c'est RTL-433. Dans le fond, une des rares, entre guillemets, fréquences que tout le monde peut utiliser sans permis, c'est le 433. Comme le 2.4 pour le Wi-Fi, puis le 5.2, puis une couple de fréquences comme ça, que les compagnies, quand ils ont du ARF à faire, ils essayent de se mettre sur des fréquences qui n'ont pas besoin de permis pour économiser de l'argent, puis ça, peut-être ça ne marchera pas, puis ce n'est pas des fréquences. Mais 2.4 commence à être pas mal saturé, mais à date, en 433, les affaires s'avèrent de bien marcher. Il y a plusieurs devices populaires qui utilisent ça. Les weather stations du monde qui s'installent, ça aussi, ça a l'air d'être un hobby assez populaire. Là. Même pour les tutoriels de Arduino, ces trucs-là, il y a souvent des weather stations. Des smart door locks. Genre, si vous pouvez faire du replay attack sur la door lock de votre voisin, ben, vous pouvez comme rentrer chez eux. Il y a aussi des replay attack que j'essayais de faire avec les clés de voiture. J'essayais avec une Toyota un peu récente. Peut-être que c'est... Ben, je sais que ma technique n'est pas tout à fait au point, mais... Maintenant, il y a des concepts que c'est un double échange, c'est-à-dire que la clé va envoyer son code, mais la Toyota va répondre avec le prochain code à envoyer. Fait que ça, c'est peut-être un petit peu plus de travail.
Mais je pense que pour des plus vieilles voitures, ça doit être assez straightforward de juste refaire le code. Puis j'ai vu des exemples sur Internet que ça marche avec une Mustang, entre autres. Ça, un logiciel qui était un petit peu une déception, peut-être que c'est moi qui ne l'utilise pas bien, SIGINT OS, c'est un OS complet qui est supposé être fait pour le Signal Intelligence, avec tous les drivers déjà installés, puis tous les logiciels qu'il faut. Finalement, je me suis rendu compte que tous ces logiciels-là sont disponibles sur Kali, sauf celui que je vous montre en ce moment, qui est comme leur logiciel « maison », entre guillemets. Mais moi, ça ne marchait pas. Puis, tu sais, il n'y a pas vraiment d'output, il n'y a pas de verbose mode. Tu cliques, puis ça ne fait juste rien faire. Donc, il détectait au moins mon dongle SDR. Mais à part de ça, genre, j'avais beaucoup d'attentes, puis j'étais un peu déçu. Puis finalement, ça c'est un expériment que pas mal de monde peuvent faire ici, à cause que pas mal de monde ont des Raspberry Pi. On peut l'utiliser vraiment facilement comme un transmitter ARF sur un vraiment large éventail de range, donc qui dépasse même ce que ma SDR peut capter. Fait que non, ça c'est mon Raspberry Pi, et c'est maintenant un TX Pi. Puis vous pouvez envoyer quand même assez loin. Ça, en tout cas, j'avais pas de problème sur à peu près le terrain d'une maison. Puis légalement, je pense qu'on n'a pas le droit de dépasser 60 mètres pour émettre sur des fréquences. Fait que ça doit être, je pense pas qu'il peut dépasser de bien loin 60 mètres. Mais ceci dit, j'ai pas testé. Fait que ça vaut risques et périls. Ce logiciel-là, il peut émettre de 5 kHz à 1,5 GHz, ce qui est quand même un excellent range. Je vous l'avais bien monté, mais comme pas autonome, dans le sens qu'il faudrait que je la plug sur le network, que je me sache dessus, je ne l'ai pas faite pour que je puisse juste la plugger et que toute seule apparte son émetteur. Mais j'ai essayé PogSag avec ce que je viens de vous montrer, les pagers, puis elle peut exactement répliquer un pager avec la même commande que je vous ai montrée. Fait que je décodais mes propres messages. Non, j'ai pas de pager pour tester. Ça aurait été quand même cool. Fait que, ouais, en fond, c'est le seul matériel requis. Un fil bien normal. Ouais, ouais. C'est vraiment juste un. N'importe quel fil électrique fait la job. Là. Ça m'étonnerait même pas que tu n'avais juste pas besoin de fil, même. On n'a pas besoin. Ça, j'ai pas. La force, c'est quand même un fil, ça fait énormément de bruit. Tu n'aimais pas vraiment la fréquence que tu aimais. Tu aimais à cette fréquence-là, puis toute celle autour, ouais. C'est assez fort. Puis c'est pour ça que si tu fais ça de manière permanente, probablement qu'un jour le CRTC va aller visiter. Tu vas pogner un système médical ou whatever. Ça, ouais. Ouais, ça. Puis tu vois qu'il y a comme du genre de reverb, là, on va dire. Parce qu'il y a le deuxième test qu'il y a là, c'est vraiment une seule fréquence en particulier qui oscille comme ça. Puis, mais j'étais pas sûr que c'était ma paille qui était pas précise ou bien si c'était mon récepteur qui l'était pas. Mais tu vois qu'il y a comme une onde complémentaire, entre guillemets, qui se promène. Fait. Mais c'est good enough pour, genre, à l'intérieur de votre maison. Puis, comme je disais, ça, c'est les expériences que j'ai pas fini encore. Le replay attack sur une clé de voiture, ça, c'est ce que j'ai reçu originalement, puis ça, c'est ce que j'ai réémis. Fait que, manifestement, j'ai quelque chose qui marche pas avec ma modulation, parce que là, c'est vraiment le signal IQ, puis là, ça a l'air d'être modulé selon la phase. Mais on voit que, tu sais, le 1 ici, il arrête, 1, il reprend, 1, il reprend. C'est à peu près la même chose avec une pause au milieu. Fait que d'après moi, je suis pas si loin du but que ça. Sinon, une autre affaire que j'ai essayé, comme je vous disais, les SSTV, les satellites qui projettent les images weather, RPTX, il est capable d'émettre. Puis ce que moi j'ai essayé, c'est de projeter le logo de la compagnie POCA pour laquelle je travaille, puis de l'écouter. Vu que j'étais à comme une couple de mètres, genre 5 mètres de distance, je me disais, je vais commencer par ça, puis après ça, je vais essayer de pogner les satellites. Ben, vous voyez que ça n'a pas vraiment marché. Genre, c'est pas complètement random, là. Ça, c'est du bruit plus que d'autres choses, mais là, on voit qu'il y a un petit pattern qui se dégage. Fait que
c'est à suivre. Shameless Plugs, ben à chaque fois que je trouve quelque chose qui marche de manière reproduisible, j'écris un blog avec, que vous aurez à voir notre tech blog encore là sur les slides que je vais mettre online. Puis, en guise de conclusion, juste comme vous voyez, c'est vraiment pas un talk super technique. Pas besoin de s'y connaître tant que ça pour rentrer. Il n'y a pas une barrière à l'entrée grande. L'équipement nécessaire, c'est très accessible, comme je vous disais, à peu près 20 à 30 piastres. L'écosystème software, ça commence à devenir assez mature. Donc, il y a un moyen de juste googler ce que vous voulez faire avec SDR à côté. Puis habituellement, il y a un software qui le fait déjà pour vous. Puis n'oubliez pas, il y a le Nortec. Je vous y vois en grand nombre. That's it. Puis tant qu'à faire, je vais essayer de partir. Ouais, je vais essayer de partir le DOM 1090. Voir si on voit quelque chose. Vous avez-tu des questions en attendant que... Bon, finalement, ça n'a pas été long. Mais, ouais, il faut que tu rajoutes un SDR dessus, genre. Puis quand il l'a, il y a Transmitter Receiver, fait que là, ça va être facile pour faire des replays. Vous voyez, ça, c'est des avions qui passent au-dessus de nous. Fait que... y a-t-il quelque chose d'intéressant? Call Reply. Ouais, celui-là, ça a l'air d'être pas full intéressant. Air Ground. Ah, ben là, tu vois l'altitude, 35 000 pieds. J'aime le fait qu'il n'est pas sûr qu'il y a des heures. À 1800 pieds. 100 pieds, on va se coucher. Ouais. C'est à partir de l'océan. Ouais. On est vraiment au-dessus du niveau d'eau. Ouais, c'est 100 pieds. Éventuellement, on devrait avoir son numéro de vol aussi. Là. Tu veux savoir la compagnie? Ouais, exact. Genre AC 1900 quelque chose. Tu me verrais dans quelle ligne? Ça dépend des fois. Je pense qu'il affiche juste les lignes qu'il a réussi à décoder. Fait que peut-être qu'on n'a pas. Il y a aussi un rétro Internet. Tu envoies le code, Internet t'en repose. Ah, ok, ouais, ouais. Je ne sais pas s'il cherche direct online. Ça serait lequel le code? C'est comme ICAO address, là, je sais pas. Ah non, ça, c'est juste le protocole, là, c'est pas. Fait que ça aussi, il y a moyen de regarder ça bien longtemps, puis... Pardon? La map, je pense pas que mon Nginx, il est... Ouais, ça, justement, ça fait partie de mon blog, mais je pense que j'ai discarté cette config-là... Non, je veux dire, il y a un site web sur Internet, tu peux aller voir. Ah, ok, ouais, ouais, ben ça. Ouais, ça, il manque une petite config Nginx que, justement, j'ai mis sur... mon blog, le deuxième lien que je vous ai mis. Mais une fois que la config est installée, dans le fond, lui, il y a une petite base de données JSON dans laquelle il met ses informations. Puis ce site-là, il est très statique, puis il relie ça via JavaScript. Là. Puis il vous affiche les avions qu'il y aurait. Peut-être. Non, il veut vraiment pas nous dire son numéro de vol. Mais... Et c'est quoi? C'est tout le temps le même avion? Tu le sais quand même? Il y a des types, dans le fond. Celui qu'on vient de passer, c'est peut-être un vrai avion. Puis il y en a que c'est juste des transponders au sol. Okay. Doivent envoyer pour avoir une réponse. Là.
comme ça, Short Air Surveillance, d'après moi, c'est pas un vrai avion, c'est comme... Mais je pense que... Juste checker s'il y en a un qu'on a vu passer, mais qui est passé trop vite, là. Genre C05B42. Ouais, le vol Gaspé-Québec. Ah, ben c'est peut-être ça. Ah, ben oui, c'est une tête au sol. Ben non, il est en vol, ok. Il est pas supposé partir à 7, mais c'est le Canada. Puis... ok, ouais. On le pogne peut-être encore. Ah, ben. Ok, je pensais que c'était lettre, chiffre. Non, mais ICAO, c'est en adresse, il est supposé être Canada. Ok. Fait que, ouais, that's pretty much it. Si vous avez des questions.